émission, c'est un de malheur moderne, vous me dites bonjour. Ben, l'un des émissions, c'est un malheur moderne, bonjour. Voilà, aujourd'hui, dans l'émission Moseka, nous allons vous présenter le couple Mami et Louis Likoema. Mami, nous l'appelons Mami Lik, beaucoup l'appellent Mami Lik, et Papa Louis représente Nutrilik. C'est une page aussi que vous pouvez trouver sur Facebook. Et c'est la famille Lik que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, ce couple est passionné de la nutrition saine, de la nature, des bonnes choses et également très passionné de leur Seigneur. Donc, c'est un couple qui opère en tant que communicateur en nutrition et qui voyage à travers le pays et dans les pays limitrophes pour apporter de bons messages, pour avoir les bons gestes concernant la nutrition. Ce couple est passionné également de l'agriculture et très désireux de manger sain. Ils consomment beaucoup de nourriture venant de leur propre potager ou de leur propre concession. Nous allons vous montrer aujourd'hui leur week-end dans la banlieue de Kinshasa où ils nous ont fait découvrir quelques arbres fruitiers et quelques éléments de la nature remplis de nutriments, remplis de bienfaits. Les images vont parler. Amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne, nous sommes là. Voici un safoutier, nous sommes en poteau. Voilà l'arbre de safou. On voit quelques safous qui ne sont pas encore matures. Il y en a, et là aussi il y en a. Voilà le safoutier. C'est un grand arbre. Il y a des vidéos ici dans l'émission YouTube des Malewa Modernes, dans l'émission Moseka de Malewa Modernes, où nous avons présenté des recettes de safou. Voilà. Nous vous faisons aujourd'hui découvrir le safoutier, c'est-à-dire l'arbre qui nous donne le safou. Voilà. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour et vous fait découvrir le maracuja, comment il est sur sa plante. Voilà notre maracuja. Il y a déjà quelques fruits qui ne sont pas encore mûrs. Beauté, papa. Non, je veux couper ça. C'est pas encore mieux. Je vais savoir regarder. Regarde sans couper. Moi, ça, c'est qui est mieux. Voilà. Le maracuja. Nous vous avons dernièrement présenté une boisson, le nectar de maracuja. Voilà, c'est sur cet arbuste que l'on trouve le maracuja. Celui-là, il n'est plus bon. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Tu vois pas que c'est pas bon. Oui. Normalement, on le cultive sur en haie hein, pour que ça produise beaucoup, mais celui-ci, il est recouvert entièrement tout un arbre. Il y a un arbre en dessous, un arbre non comestible. Faites une grande fleur. Hein? Alors, en croissant, comme le maracuja est une plante rampante, il a rampé sur l'arbre et l'a entièrement recouvert. Amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne, nous voici devant un arbre entièrement recouvert de maracuja. Le maracuja est une plante grimpante.
Donc, elle grimpe sur tout ce qu'elle trouve. Là, elle a trouvé bon de grimper sur cet arbre. Voilà, nous avons quelques fruits qui ne sont pas encore mûrs. Voilà, ça va donner des maracujas vraiment succulents. Voilà, voilà, voilà les feuilles. Il y a des feuilles entières sur la même plante. Il y a des feuilles entières et des feuilles lobées. Donc c'est une plante vraiment particulière. Les fleurs sont là, les fleurs qui donnent des fruits. Là, ça commence à se fermer. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle la passiflore, hein. Ça ressemble vraiment aux fruits de la passion. Au début, la fleur est ouverte, elle se referme et en dedans, le petit fruit commence. Si vous pouvez voir, il y a un petit fruit qui commence. Et c'est lui qui deviendra grand, les maracujas que nous connaissons. Donc vous avez vu la recette sur la vidéo du nectar de maracuja. En tout cas, c'est un arbre vraiment qui s'appuie sur tout ce qu'il voit. On va voir un autre maracuja qui a envahi un acacia très haut là-bas. On voit des maracujas, des fruits. L'acacia est entièrement recouvert de maracuja qui ont déjà donné des fruits qui vont bientôt mûrir. Voilà. Voilà. Et il y a quelques fruits mûrs là. On va se régaler. Moi, je vais manger un maman. Tu as déjà mangé. Je te montre un peu ce que j'ai. Est-ce que tu refuses que je te montre? Vous remarquerez avec moi que le safo, quand il n'est pas encore mature, sur l'arbre, il est tout rose. Vraiment rose. Entièrement rose. Et en devenant mature, vous voyez, il y a déjà quelques taches de couleur violette qui se font voir. Donc, cette couleur recouvrira tout le fruit. Alors, le fruit sera mûr. Pour le moment, c'est vraiment cru. Voilà. Voilà notre safoutier. Ça c'est le manioc que nous venons de récolter chez nous, ici en Potolique. Donc c'est vraiment du bon manioc qui a bien donné. Voilà. Je vais le tour battre, à un moment je fais ça bien. Attends, c'est quoi là? L'émission Mon état de malheur moderne vous présente la canne à sucre. Donc c'est un fruit particulier. Ce qui se consomme, c'est ça. La tige, le tronc. C'est vraiment très 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 sucré. Restez toujours branchés.
Vous verrez comment ça se présente à l'intérieur. Donc tout ça, c'est la canne à sucre. C'est vraiment très apprécié parce que c'est vraiment sucré. C'est à base de cette canne à sucre que l'on fabrique le sucre de canne. En tout cas, c'est le sucre le plus consommé ici en RDC. Voilà la canne à sucre. Je vous montrerai comment ça se présente sur le commerce. Ça, c'est la plante. Et comment ça se consomme ici. Amis de l'émission Moseka, nous découvrons la nature. Ici, nous sommes au village Poutou, à Kikola, non loin de Kikonka, qui lui-même se trouve à Kisantu. Ça, c'est un domaine privé. Nous avons une case et un large espace pour les champs. Voilà. La belle vue, les montagnes. Ce que nous voyons loin, c'est des pondous, des feuilles de manioc que nous appelons pondous, qu'on a déjà récolté. Donc, Bakati Kati déjà mis tout. Et là, comme il y a encore cette saison de pluie, ça va redonner encore du bon pondou. Au loin là, c'est un paysage, c'est chez les voisins. Voilà, il y a un avocatier, des palmiers, des manguiers, safoutier que nous avions vu à la vidéo, qui a ici dans l'émission Moseka. Et ici, c'est la citronnelle, une variété de citronnelle qu'on appelle ici Sindayaba chinois. C'est pas très 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 parfumé comme la citronnelle que nous connaissons, mais bon, c'est toujours la citronnelle, mais elle donne des longues feuilles. La plante peut aller jusqu'à 3 mètres. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Restez branchés. Amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne, ce que nous voyons ici, ces feuilles, disons ces jeunes plantes, ce sont en fait ces plantes qui donnent le fruit sauvage que nous appelons les tondolo. Donc voici les feuilles. Les feuilles ressemblent un peu aux feuilles de gingembre, hein, de tangawisi, mais c'est pas pareil, ça va un peu plus haut. Et puis, le tondolo, lui, il pousse sous la terre. Donc, ça, c'est pas encore prêt. Dans une vidéo dans l'émission Moseka de Malewa Moderne, il y a une recette, le nectar de tondolo. Donc, ce fruit rouge-là, un fruit sauvage, il pousse sous la terre. Donc, c'est pas encore prêt ici. Parce que quand il pousse, on le voit un peu ressortir de terre. Donc c'est pas un fruit qu'on plante, qu'on essaie de cultiver, généralement ça meurt. Donc c'est un fruit sauvage qui croît comme ça, dans, comment on peut dire, dans la brousse, hein? Voilà la plante qui nous donne le tondolo. Nous avons ici ce que nous appelons le ngai ngai. Bon, à Kinshasa, on est dans le Bas-Congo, le ngai ngai le plus consommé, c'est celui-ci qu'on appelle Oya Pembe. Il y a aussi une variété qui, elle, est la plus consommée dans les Kasaï. On l'appelle le ngai ngai rouge. Bon, à Kinshasa, au Bas-Congo, il n'y en a pas vraiment assez. Voilà, c'est vraiment pareil, sauf que c'est tout rouge, vraiment tout rouge. C'est pas très courant à Kinshasa, c'est vraiment rare,
même ici dans le Congo central, c'est vraiment rare. Mais voilà. Vraiment tout rouge. Hein? Et la croyance, dans la croyance populaire, on dit que les ongles sont à maquilla. Bon, le nutritionniste pourra nous éclairer là-dessus. Parce que quand une personne fait l'anémie, généralement, on prend ça, on mélange avec la purée de tomates, non, la tomate concentrée et je ne sais plus quoi, pour nos ongles sont à maquilla. Bon, à vérifier. Dans la vidéo, le ngaï-ngaï n'est pas l'oseille. Dans l'émission Moseka de Malé Wamode, vous verrez la différence entre l'oseille et le ngaï-ngaï. Ça, c'est vraiment l'hibiscus. Et ça, c'est l'hibiscus. Une variété d'hibiscus rouge. Donc, il faut vraiment visionner la vidéo là. Le ngaï-ngaï n'est pas l'oseille, ici dans l'émission YouTube de Malé Wamode, pour comprendre la vraie appellation. Amis de l'émission Moseka de Malé Wamode, cette plante qui grimpe là sur cet arbre, c'est la plante de l'igname. Mboma, c'est un gros tubercule qui ressemble un peu au taro, mais un plus gros. Voilà, il y en a encore là-bas. C'est ça. Généralement, ça grimpe sur l'arbre, hein, sur les arbres qu'il trouve à côté. C'est ça la plante de l'igname. Toebimboma, et bota andeni, et bota anase amabele, bakasa nangwe mataka boye. Mususu yango wana mabele. Amis de l'émission Moseka de Malé Wamode, ça c'est un palmier. Le palmier, c'est l'arbre qui nous donne la noix de palme. La noix de palme, on la consomme. On fabrique l'huile de palme. Ici, il n'y a pas encore de noix de palme. Pas encore. L'arbre est encore jeune. Donc, le fruit donne la noix de palme qui sert à fabriquer l'huile de palme, qui sert à faire les moussaka. Donc, voilà. Ces branches, c'est ce qu'on appelle les rameaux. Les rameaux dans notre culture servent à beaucoup de choses. Un rameau au coin de la rue indique qu'il y a un deuil. Un rameau au coin de la rue, toujours bien décoré, bien fait, indique qu'il y a une fête, généralement de mariage. Un rameau, ça sert à faire le balai. Un rameau, ça sert à faire des mipiku, c'est-à-dire des bottes de légumes. Par exemple, le pondou, le feuille de manioc, quand on le noue à une certaine quantité, ça forme une botte qu'on appelle en lingala le mipiko. Ça, c'est un palmier qu'on a coupé il y a quelque temps. Donc, là, on le laisse ainsi pourrir pendant un long moment, des mois et des mois. Et avec le temps, ça donnera à l'intérieur ce qu'on appelle la larve palmiste, c'est-à-dire l'insecte comestible qu'on appelle un posse. Bon, là, il n'y en a pas encore. Donc, il faut laisser vraiment ce tronc pourrir. Et avec les pluies, il y a aussi ça, les champignons. Donc on peut récolter aussi des champignons. Donc on laisse vraiment pourrir les troncs du palmier pour qu'ils donnent le posé qu'on aime.
L'émission Moseka de Malewa Moderne vous présente les feuilles de tarot. Bandeko Balandi, émission Moseka de Malewa Moderne, au Kasalanga, langa ekola na se amabele kuna, bakasa nango yangoyo, tige nango eza violet, misusu ezala omo na vraiment tout violet là. Nous sommes moi pembe, ba bordure des violet. Oiza variété liamaka. Variété o liamaka te, au mon tige za pembe vert. Hein, ata bordure oyo ya violet oyo ezate. Nyoso entièrement vert. Wana liamaka te. Les feuilles de tarot comestibles sont là. Nous voyons la tige. Une couleur violet foncé, vraiment violet foncé. On voit. Ici, la tige est claire, vert, c'est vert, mais nous voyons les bordures sont violettes. C'est ainsi qu'on reconnaît la variété comestible. La variété qui est toute verte, même les bordures vertes. Celles-là, elles ne se consomment pas. Ces feuilles sont cuisinées dans plusieurs provinces de la RDC. Vous les découvrirez, vous découvrirez ces recettes dans l'émission Moseka de Malewa Moderne. Le pondo a été récolté. Voilà. Pour former cette botte, on a utilisé un rameau. Donc, il y a là mon pikumoko à pondo. Voilà. Ça, c'est le pondo qu'on appelle pondo ya caoutchouc. Les feuilles sont un peu, beaucoup plus lisses que le pondo qu'on appelle ya Congo. Et puis, ce genre de pondo ne produit pas de manioc. Une fois le manioc récolté, les boutures ne sont pas jetées. Les branches, on les utilise pour les replanter, on les recoupe. Les feuilles vieillir serviront à enrichir les sols. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui fait l'émission Moseka de Malewa Moderne. Shadows start to fade. Oh, oh, oh.
Thank you.